entendre le témoignage, Dieu me dit attaque l'esprit, attaque maintenant ce démon. Lâche-la. Quitte sa vie. Peu. Lâche-la. Tu sais que le démon est parti. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu dois revenir? C'est que Jésus t'aime. Je suis devant vous. Et l'amour de Jésus-Christ pour toi, l'action de pouvoir arracher ça dans son cœur. Et la Bible dit que si Dieu est pour nous, il sera donc contre nous. Alors, Dieu va commencer à arranger au bout de toi. Ce démon-là, faisait que tu t'attendais pas à des gens. Tu donnais cette impression que tes parents ne t'aimaient pas. Ce démon-là. Parce que l'objectif, c'était d'aller l'adorer. Il a baissé son main. Il allait te pousser à vous. Voilà, tu vas commencer à l'adorer. Ah, d'accord. Comme ton esprit, parce que l'esprit a parlé. Mais où qu'on va? Comme ton esprit, tu as appelé à servir Dieu. Que Dieu ne pourrait pas permettre. Amen. Que tu puisses avoir accès. Tu comprends? D'ailleurs, ce sont ceux qu'on rejette. Tu récupères. D'accord? Qu'on ne considère pas. Et maintenant les choses vont marcher. Tu avertis. Et nous. Amen. Ça vous dit maintenant là. Et que voilà, le pied de Jésus est ton pied. Je qui ne bouge. Bouge. Oh non. T'as compris? Hein? Il ne faut pas que quelqu'un te sépare de Jésus. L'apôtre Paul dit que personne ne nous sépare de l'amour de Dieu. C'est un mystère. Je ne sais pas comment t'expliquer. Mais vous êtes quoi? Mais Jésus est mon Dieu. C'est tout. C'est tout. C'est bien. Amen. Il me protège. On va dire. Il me bénit. On va nous. Je dis, si un Dieu ne te protège pas, il faut le dégager, il faut le fuir. Non, ça ne va pas. Il faut le fuir. Alléluia. Lorsque l'ange de l'Éternel est entré dans le temple, il s'est trouvé d'avant. La statue est tombée. Il s'est prospéré devant l'ange de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit que Saül craignait l'Éternel. Saül craignait David. Parce qu'il ressentait que l'Éternel était avec lui. Il s'était éloigné de lui. Dieu habite en toi. Dis Amen. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Désormais, c'est toi qui dois régner sur ta famille. Dis Amen. C'est toi qui dois régner sur ta famille. Si on va parler de quelqu'un, c'est toi. Prends cette prophétie par la foi. Amen. Si on va parler de quelqu'un, c'est toi, désormais. Tu vas voir là, maintenant. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Hein? De quoi? Ça fait combien? Pauvre. Vous voyez?
Vous faites ouvrir un projet, vous n'avez pas une idée. Encore pour vous. Encore mieux, parlez moi pour vous. Moi, il y a un projet, si vous me demandez, je vais l'église, bah, si ça a le capital. Ah, vous voyez, en même temps, c'est là. Tellement que j'aime avoir l'argent. Et mon frère, je lui ai fait d'argent. J'étais dans la voiture, j'étais en train de causer les gens, il dit, je dois entrer maintenant au Cap Vert, je dois envoyer des yachts, parce que je dois avoir l'argent. Et là, il voilà. 2012, là, on ne va pas s'amuser. 2015, chacun doit avoir sa voiture ici. On adore Dieu, on n'adore pas Dieu. Alors, on adore Dieu propre. Là oui. C'est où? Quel Dieu tu adores, tu es bizarre. Tu as envie de manger, tu n'arrives pas à manger. Tu as faim. C'est pas possible. Il est contre. Il dit ne t'inquiète de rien. Alors, non, vrai, tu vas te bâtir. La pauvreté, c'est l'absence de Dieu dans la vie des gens. Amen. Je vous en prie, attachons-nous à Dieu. Et il y a un arbre à il y a une grande bénédiction dedans. Nous pouvons faire le prêt. Amen. D'accord. C'est vrai que Jésus nous donne le salut. Je dis, il y a un. La bénédiction va commencer. Quand tu vas commencer à lâcher. Tu es sûr que c'est le cosmétique qui va te donner l'argent. Il y a un million d'années, il y a un million d'années. J'ai fait le restaurant. Dans le moment, il y a déjà commis. J'ai fait mon restaurant. Ça marche, hein? Ça marche très bien. Qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Il n'est pas fréquenté. Il ne faut pas faire comme les sorciers là, qui ne savent pas répondre aux questions. Qu'est-ce que. Les sorciers n'aiment pas. Non, non, on va dire le mot. C'est le mot de la parole. C'est des questions. Lui, il y a un. On est. Je ne sais pas dire si tu as fréquenté ou pas. Qu'est-ce que tu sais faire? Il y a nos amis en l'air. Quel genre de commerce? Ah, donc faire restauration. Moi, ça va bien. Ok. Je vais t'aider. Ah, oui, ok. J'ai une parole. Je ne change pas ma parole. Je vais t'aider. Tu as compris? Oui. Demain, il faut passer, toi, prendre 100 000 dans mon bureau. Il faut permettre à cette vie d'avoir l'espoir, de ne pas prier, cette défaite d'un démon. Elle est personnelle. Oui, parce que le démon a fait quoi? Que ne peut pas t'aimer. Non. C'est Jésus, Jésus, lève-toi. Celui qui te demande qui tu dois faire ça, hein? Je dis moi en fait. Hein? Moi-même, quand je vais prier, là. Moi, on les met à genoux, je mets même le sol. Parce qu'il est roi. Moi, je le dis. On n'adore pas un roi assis. Moi, je prie le diable. Dieu en train de te montrer. Il a montré. Après ta délivrance, il y a une bénédiction, tu suis ça. Pas parce que je suis crassé, je vais me montrer. Non, c'est Dieu qui est en train de te révéler ta parole. Non, non, non. Les mères viennent en te donnant sa mise. Amen. Allez. Il est où, Harry? Viens. Allez. Pardonnez-moi, mais. Je veux pas qu'elle attende beaucoup. Donne mon sommet. Oh,
Dans le sixième jour, n'est-ce pas? Et le chiffre 6 sur le chiffre de l'homme. Et j'aurai l'occasion d'expliquer les mystères. Et quelle action menée. Même si vous n'êtes pas venu le 31, mais venez
à cette veillée. Amen. C'est là que nous allons commencer à parler en 2014-2015. Je sais ceux qui viennent encore dans le ministère, ceux qui ne viennent plus. Nous allons commencer à mettre de l'argent de côté pour aider les femmes qui sont dans le ministère. Et j'aurai l'occasion de donner ça officiellement le 7 matin. Aucune, je vous remets ça le 7 matin. Vous n'êtes pas dans ce ministère. Parce qu'il est venu travailler. Il y a des gens qui voient ça comme travail. Ils ne sont pas des appelés. Si j'ai mis l'argent que vous, chaque jour j'allais prendre l'avion. Voyager. J'aime l'œuvre de Dieu. Amen. J'aime l'œuvre de Dieu plus que l'œuvre. C'est pour ça que j'impose. Je veux être là où Dieu veut que je sois. J'ai déjà la liste de ceux qui sont constamment dans le ministère. Mais ce sont des personnes-là qui ont accès à cet argent. Ça serait pour nous une manière de leur dire préparer la nouvelle année. Voilà. Donc le 8, le 7, ça le 8, c'est ça le 7. Ouais, le 7 matin, nous allons donner l'argent. Et avant d'en voir vous aider par rapport à la nouvelle année, qui compense aussi à vous. Pense à vous. Je sais dire aux gens, vous avez quelle église qui donne l'argent aux gens. Vous n'êtes pas béni, c'est pas chez Nestlé ou bien Orange, une société pour dire je suis dedans. Il y a combien de salaires? Parce qu'il y a des gens, quand ils voient que je donne l'argent aux gens, ils n'ont qu'à leur donner un salaire. Il y a des gens qui sont dans ce ministère, ils sont ouvriers. C'est pas le personnel du ministère. Ils ont un salaire, ils ne vivent que de ça. Mais par contre, d'autres sont à mi-temps. Et à d'autres personnes, à cause d'argent, ils ne viennent plus à nous. J'aurais dit ce qu'il a fait pour Zaroko. Vous ne pouvez pas me récompenser. Je ne suis pas venu vous donner de l'argent ici. Je suis venu vous donner de la vie. La vie est mieux que l'argent. Amen. Amen. Ça fait longtemps ça. 2015, je peux marcher n'importe qui. Pas tout le monde sera avec nous. Tout le monde n'arrange pas, ils sont seuls.
Thank you.
Oh, my God.